Bonjour, bienvenue à bord de la MT-09 Tracer, température extérieure 21 degrés. On est début octobre. Début octobre et on a des températures estivales. Putain, j'y vois rien. Chers amis, l'heure est très grave. En début d'année, j'avais reçu le Quadlock. Pourquoi j'avais reçu ce produit? Parce que je le voyais partout sur Instagram, sur des vidéos d'autres motovlogueurs et je me suis dit putain, faut que je teste ce produit, ça a l'air génial. Voilà, j'ai fait une vidéo dessus. Je l'ai faite à mon sens un peu trop rapidement parce que j'ai pas eu le temps vraiment d'essayer le produit, mais j'étais tellement convaincu que voilà, j'ai fait une vidéo en vous présentant celui-ci. Au final, j'ai eu quelques déboires avec le produit, c'est que je n'arrivais pas bien à viser l'encoche, donc je me retrouvais avec le même problème qu'avec ma petite sacoche JV. À chaque fois, il fallait que je me baisse pour viser l'encoche, etc. Alors certains n'ont pas ce problème-là, mais moi j'ai trouvé ça un peu galère. Voilà, c'est ce que j'ai remarqué pendant mon petit tour dans la Suisse et l'Italie avec David courant du mois de juin. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé SP Connect, donc c'est un support aussi de téléphone que vous voyez là. Tu te calmes, oui. Et du coup, je leur ai demandé de m'envoyer un support parce que je le trouvais déjà un peu mieux fini. Il est, enfin, c'est de l'aluminium, etc. Enfin, c'est super bien foutu. Vous pouvez le régler comme vous voulez, comme ça. Ça tourne. Le seul inconvénient, c'est qu'on choisit uniquement de mettre en fait son téléphone en mode portrait ou paysage, mais vous pouvez pas faire les deux. Donc là, moi, j'avais demandé à avoir ce produit qui coûte quand même dans les 100 balles. Donc voilà. Là, j'avais mon téléphone et on a une espèce de coque qui est comme ça. Donc, vous le devinez, on emmène la coque ici. Là, donc c'est vachement facile à viser. Clac, terminé. Et en plus, ça me faisait un cache-compteur, mais de l'espace. J'étais super content d'avoir ça. Je vais arrêter de parler parce que c'est le malaise, il y a une femme là. Jusqu'au moment où je suis parti dans les Alpes la semaine dernière avec ma femme. Je fais 200 bornes d'autoroute pour arriver jusqu'à Bourg-Saint-Maurice. Donc là, je prends une story, tout va bien. J'arrive au col de l'Iseran. Qu'est-ce qui m'arrive? Mon téléphone, il fait des vagues dans tous les sens. Je vous mets un extrait ici de ce que faisait mon téléphone. Donc ça, c'est la story, en gros, que je vous avais envoyée pour vous prévenir. Ce qui veut dire que pendant mes 2 jours dans les Alpes, eh ben, tiens, pas de téléphone pour prendre des photos, donc je prenais l'iPhone de Florian. Et du coup, ben, mon appareil photo décédé, quoi. Je vous mets là encore une autre vidéo où je filme avec un autre iPhone mon téléphone. Et vous allez voir le bruit que ça fait, c'est un truc de dingue. Pour finir, je contacte du coup SP Connect. Je lui envoie ma vidéo. With vibration, my iPhone is dead. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit en gros qu'il est désolé, etc., etc. Que ça le fait qu'avec les nouveaux téléphones d'Apple, il est vraiment désolé de ce qui m'arrive. Mais en gros, que la caméra va se remettre toute seule au bout d'un moment. Du coup, je lui demande qui va payer les dommages de ma caméra. Enfin, de ma caméra. Voilà, j'ai pas trop de réponses. Ben, c'est là qu'il me dit que ça va s'arrêter tout seul et qu'ils savent qu'il y a ce problème là, mais qu'en général c'est que sur les iPhone X et les KTM. Depuis, je lui ai dit que j'avais eu 80 euros de réparation, il l'a vu et c'est tout. Voilà, voilà où j'en suis avec SP Connect. Donc heureusement mon téléphone était garanti, du coup je n'ai rien payé. Mais en gros voilà, vous prenez ces supports de merde et qu'est-ce qui vous arrive? Vous vous retrouvez avec un téléphone qui est complètement break. Alors là, je vous entends dire hein, ouais, mais c'est parce que c'est un iPhone et tout. Alors sachez que j'ai reçu des messages
venant de quelques followers qui ont eu le même problème avec SP Connect, avec Quadlock également. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Et ben, hop, on va revenir à la bonne vieille méthode avec mon petit support JV. Voilà, ça me fait chier de le reprendre, mais c'est le seul qui pourra me donner satisfaction et de pas casser mon téléphone, parce qu'en gros c'est les vibrations qui cassent l'espèce de stabilisateur dans l'appareil photo, et là vu que le téléphone en fait il rebondit un peu dedans, ça évite les vibrations. Donc ça va revenir sur mon guidon. Ça, le quad lock, je voulais vous le refaire voir, mais ça c'est niet, c'est plus pour moi. Voilà, je vous présente deux belles merdes à ne pas acheter. C'est beau, non? 80 balles ou 79€ pour ça et 100€ pour celui-ci. A savoir que SP Connect m'a envoyé ce même support à coller en patch 3M derrière une coque. Je pense le faire parce qu'ils m'ont envoyé aussi un support voiture. Et en voiture, il y a bien moins de vibrations, donc je pense le mettre derrière une coque. Donc il est temps pour moi de dire adieu à ça. De dire adieu à ça. Oh, qu'il est beau. Ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. J'ai RhinoShield qui m'envoie des produits maintenant depuis presque un an. Et voilà, je vais reprendre mes coques RhinoShield de manière quotidienne sur mes téléphones. J'en suis équipé aussi sur ma watch. Ma watch s'est pris un pain la dernière fois, ça m'a protégé. Ça protège d'enfer. Les coques, celles-ci protègent, mais je trouve moins. Ça a l'air moins solide quand même. Que celle de Rhino. Je vais repartir sur une configuration comme ça. Le téléphone rentre dedans, tout va bien. En tout cas, c'est vraiment dommage d'en arriver là, de faire une vidéo pour dire de ne pas acheter des produits que je voulais vous présenter pour celui-ci et que je vous ai présenté pour l'autre. Ça va dégager mes illico presto. En tout cas, ça m'a bien vénère, privé d'appareil photo pour mon road trip. J'ai fait de la pub pour ces sociétés-là un peu trop rapidement, donc ça m'apprendra de recevoir des produits, de ne pas les tester vraiment jusqu'au bout. Donc faites attention à ceux qui ont acheté ça. Forcément, tout ce qui concerne SP Connect et Quadlock, j'ai supprimé tous les codes promo qui étaient disponibles sur mon Instagram. Le SP Connect, je l'ai reçu cet été. J'ai pas beaucoup roulé cet été, et d'ailleurs j'ai pas, quand je roulais pas avec mon téléphone. Du coup, mon petit road trip dans les Alpes pendant 2 jours était mon test, et le test a duré 200 bornes. En 200 bornes, mon téléphone est mort avec cette merde. Alors pour ceux qui ont acheté les produits, soit vous arrêtez de les utiliser, soit vous contactez... Ouch. Je disais, soit vous arrêtez de les utiliser et vous contactez du coup les supports en question pour savoir si vous pouvez avoir un remboursement ou quelque chose, parce que franchement ça craint. Moi je me mets à la place de ces personnes qui ont acheté ça, qui n'ont pas forcément les moyens de réparer un téléphone par la suite. En tout cas, moi je fais le choix d'arrêter, de retirer cette merde et de repartir avec mon petit truc JV à l'ancienne. Tant pis, il a ces petits défauts que je vous avais expliqué sur la vidéo de Quadlock. Je pensais pas vous faire une vidéo de ce style là, je pensais plutôt vous faire une vidéo présentation SP Connect bien meilleure que Quadlock. Mais au final, c'est bien lui qui m'a ruiné le téléphone et le plus rapidement possible. Je tiens quand même à souligner qu'un abonné m'avait fait une mise en garde, parce que Carbon 23 avait eu exactement le même problème. Par contre, il parlait de poussière ou quoi. Bon, moi, c'est pas possible. Hein. C'est pas les poussières, c'est vraiment les vibrations. J'y croyais pas trop, parce que c'était avec une MT-07. C'est ce que possède Carbon. Et une MT-07 a beaucoup plus de vibrations qu'un Tracer. Je me sentais un peu à l'abri par rapport à ça. Et au final, que dalle. Forcément, je vous invite à partager la vidéo à ceux qui ont ce type de matériel, à ceux qui voulaient se l'acheter, à ceux qui sont en train de préparer une commande groupée ou je ne sais quoi. Franchement, fuyez les deux marques. Fuyez. Encore une fois, je le répète, c'est très rare que je fasse des vidéos où je déconseille des produits. Je préfère ne pas faire de vidéo dessus, mais voilà, là c'est vraiment obligé. J'ai partagé tellement sur les réseaux sociaux les produits et que j'en étais content en fait, que la déception est telle qu'il faut que je fasse une vidéo. Allez, après ces 12 paroles, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, tout dépend à quelle heure vous allez regarder cette vidéo, MDR LOL. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.